News, infos sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'excellence. L'information multiplex sur CNN et MTV. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a présidé ce week-end au palais de la présidence de la République la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'excellence. C'est en 2013 que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a instauré la journée nationale de l'excellence. Ainsi, elle est célébrée la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle est la journée patriotique par excellence du pays, car ce jour, les héros de la nation ivoirienne sont célébrés. C'est à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés la première dame, Madame Dominique Ouattara, a célébré les héros de la 9e édition de la journée nationale de l'excellence dans l'enceinte du palais de la présidence de la République à Abidjan. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez toujours fait de l'excellence une des valeurs humaines idoines pour réaliser votre vision et accélérer le destin de notre nation. La Journée nationale de l'excellence est donc devenue ce moment annuel, tant attendu, de célébration, plus encore de communion nationale autour de ces valeurs humaines, d'esprit, de cœur et d'actes qui doivent nous inspirer. Ces valeurs, elles s'incarnent, excellence, dans la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens que nous vous présentons aujourd'hui. Chacun d'entre eux contribue, sous votre leadership, au rayonnement de cette nation nouvelle, plus forte et belle de ses institutions, de ses serviteurs du bien commun, de ses entrepreneurs, de ses bâtisseurs et de ses veilleurs. Ils sont dans vos pas, en vous regardant, en vous suivant, en vous copiant, les acteurs soudés et engagés de cette Côte d'Ivoire toujours plus moderne, prospère et solidaire. Je voudrais ainsi, en cette journée patriotique importante, vous renouveler ma reconnaissance infinie ainsi que celle de l'ensemble des membres du gouvernement pour votre attention féconde et votre soutien constant à l'organisation de la Journée nationale de l'excellence. Je veux associer à ces remerciements Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui, à vos côtés, fait vivre avec lumière ses valeurs par son engagement inaltérable en faveur du bien-être de nos compatriotes, en particulier les enfants, les femmes et les personnes les plus vulnérables. Madame la Première Dame, s'il devait y avoir un prix qui récompensait le don permanent de soi, l'amour absolu pour son projet, l'empathie en tout temps et en tout lieu et l'espérance donnée par la force de l'exemplarité, il vous aurait été, Madame, attribué à vie, quel qu'ait été le jury réuni. Cette édition a été marquée par la remise de 84 prix à 43 personnes physiques qui ont été sélectionnées dans tous les domaines d'activité pour leur mérite au travail. Ils sont cadres, agents, issus de différents secteurs de l'administration, militaires, agents de police, présidents de conseils régionaux, élèves, ivoiriens de la diaspora, promoteurs d'ONG, producteurs agricoles, chefs d'entreprise, familles exemplaires, athlètes sportifs, écrivains et 41 personnes morales, structures de communication, organisateurs événementiels, syndicats de copropriétaires, administration publique, entreprises dans différents secteurs d'activité économique, ONG, promoteurs de paix et de cohésion sociale, maires de communes. En résumé, tous les secteurs de la vie sociale, économique, administrative, culturelle et environnementale. La grande innovation de cette édition sont les prix de la bonne gouvernance créés cette année sur instruction du chef de l'État, a été décerné au ministère de la Défense. De même, pour le prix de la lutte contre la corruption, a été décerné à M. Konan Kwame, lauréat contrôleur sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces 84 lauréats de la 9e édition de la Journée nationale de l'excellence ont reçu chacun un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Intervenant à cette occasion, le président Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés la première dame, Madame Dominique Ouattara, s'est réjoui de la célébration du prix national d'excellence. Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de notre beau pays autour des valeurs du travail bien fait et de la recherche constante de l'excellence. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ses citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui par la qualité de leur contribution
œuvre à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante. Mon ambition pour notre pays et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire est de bâtir dans la paix et l'union une nation forte, prospère et solidaire. La réalisation de cette ambition repose avant tout sur des personnes de qualité, capables de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l'excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés. Assurément, les personnes qui sont aujourd'hui à l'honneur se sont engagées par leur travail à porter notre pays bien-aimé vers le développement. Et nous en sommes très fiers et nous vous félicitons à nouveau. Au nom des innovations qu'il convient de relever, la création, conformément à mes instructions, de deux nouveaux prix. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance, d'une part, et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. Ces deux prix, dont les premiers lauréats ont été distingués ce matin, s'inscrivent dans notre volonté de renforcer les valeurs essentielles de probité, de transparence et de loyauté qui doivent nous guider dans la conduite des affaires publiques. Ces valeurs constituent l'une de nos priorités dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de société qui est intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire, soucieuse du bien-être des populations de notre pays ». Dans ce cadre, les réformes que nous avons initiées ainsi que les actions vigoureuses engagées seront poursuivies. La lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous. Chers lauréats, vous avez été consacrés lauréats nationaux dans vos différents domaines de compétences. Je vous exprime mes très vives félicitations pour la qualité du travail que vous avez accompli. Je vous invite à poursuivre vos efforts pour accomplir vos devoirs citoyens au service du développement de notre beau pays. Car c'est en conjuguant nos efforts et en donnant le meilleur de nous-mêmes que nous ferons avancer encore plus vite notre beau pays. Nous vous proposons ici les réactions des récipiendaires à l'issue de la cérémonie. C'est un prix que je voudrais dédier au président de la République, qui met l'excellence au centre de sa gouvernance et qui s'appuie sur l'excellence pour le rayonnement du pays. Je le reçois une année après avoir reçu le prix d'excellence de la CEDEAO, le prix africain pour la recherche et l'innovation. Je veux associer à ces remerciements mon ministre de tutelle, le professeur Diawara Adama, et également tous les membres du comité de direction de l'université Félix Foubagny qui m'ont accompagné pendant tout ce processus. Et je suis très fier et je pense que ça permet de comprendre que le travail paye et que nous devons continuer de travailler avec rigueur, avec probité. Et je donnerai ce conseil à mes jeunes frères. Et je pense que c'est une consécration également. Ce prix, je le dédie à toutes les femmes ivoiriennes, surtout à toutes les femmes ivoiriennes de la diaspora française. Ce prix-là, c'est la nôtre parce qu'on mène un combat de retour au pays. Donc ce prix-là, ça renforce encore la convivialité, l'amitié et le vivre ensemble, surtout l'union entre les femmes ivoiriennes de France. C'est un challenge, nous allons le capitaliser, tu vois, ça va nous permettre d'améliorer encore la vie dans nos cités. Vraiment, je félicite tous nos copropriétaires. C'est le travail en symbiose avec le syndic professionnel, avec les copropriétaires et le conseil syndical. Grande est mon émotion, aussi grande est ma joie pour cette distinction de haute portée qui m'est faite. Merci les plus hautes autorités d'abord de ce pays. Merci à monsieur le directeur général du Trésor, œuvrer à la bonne marche aussi voilà, de toutes les activités du pays. En tout cas, c'est une bonne chose ce prix qui a été institué. En tout cas, ça me fait plaisir. Et je pense que tous ceux de ma génération qui sont partis, c'est aussi en leur nom que j'ai reçu ce prix. Parce que nous étions nombreux, d'autres ne sont plus là. Je crois que c'est en leur nom que j'ai été honoré aujourd'hui. Et je leur en suis reconnaissant. Parce que vous savez, le métier que nous faisons ne se fait pas seul. C'est comme le football, il faut être plusieurs.
Et c'est grâce à eux que nous avons pu bien faire le nôtre. Donc grâce à tout le monde, je dis merci à tous ceux qui sont partis et tous ceux qui sont là. Ce prix, nous le recevons comme un défi. Un défi de rester toujours persévérant dans l'effort et surtout dans la perfection, la probité et l'intégrité. Je pense que ce sont les valeurs qui sont prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que nous donnons de pouvoir faire prospérer. Il est important de marquer des journées comme ça pour célébrer la valeur travail. Pour nous, c'est la reconnaissance des efforts, du sacrifice consenti par l'ensemble des employés, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, pour faire fonctionner nos installations. Notons que la cérémonie s'est achevée par une photo de famille et un cocktail offert aux lauréats par le président de la République de Côte d'Ivoire et la Première Dame. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.